Regardez, je vous montre, j'ai juste mis du blush et du highlighter. C'est un truc de fou, hein. Regardez. Ce soir, je vais en remettre. Et pour partir à Dubaï, je vais être grave bronzée. Regardez mes mains. Mes amours, j'ai reçu grave des messages concernant le message que j'ai mis ce matin. Vous inquiétez pas, j'écoute pas ces conneries. Juste, je pensais que ces gens-là, en 2024, ils allaient disparaître. Finalement, non. Ça n'a pas marché, on ne l'a pas souhaité assez fort. Non, mais voilà. Hein. En plus, attaquer avec un K, je me dis merde, comment elle écrit? Qu'est-ce que c'est ce pseudonyme Cookie? J'espère que ce n'est pas son prénom, c'est un pseudonyme. Bref, en tout cas, on s'en fout. Hein. Papa, maman et bébé Alia, ma fille? Papa, maman et bébé Alia. Tu fais des bisous? Ce matin, Alia m'a fait un bisou. Genre un bisou. Elle est venue, elle a collé sa bouche à ma joue, mais d'un coup comme ça, elle s'est baissée, elle m'a fait... Voilà. Et après, elle s'est relevée, j'ai dit non. Bon les filles, je me suis un petit peu renseignée sur la crise des 9 mois, enfin ce que vous appelez les 9 mois. Et en fait, c'est là où bébé apparemment commence à savoir que c'est une personne à part entière, voilà. Et qu'elle commence à développer la peur de l'abandon, tout ça. Et c'est vrai qu'Alia est très collée à moi. De toute façon, ça c'était une évidence vu qu'elle est H24 avec moi. Mais voilà, et c'est vrai qu'il y a des similitudes. Parce que le soir maintenant, quand je la pose dans son lit, elle pleure. Donc moi, je la laisse pas pleurer. Voilà, je déteste... Après, chaque maman fait comme il veut. Mais moi, c'est vrai que je déteste laisser pleurer Alia, même un petit peu. Donc voilà, donc elle a très bien compris. Elle pleure. Il faut que je la reprenne, qu'elle se sente voilà, sur moi. Alors qu'avant, elle me faisait pas ça. Donc là, c'est tout nouveau. Donc voilà, si vous avez des méthodes et tout pour les bébés, si aussi vous êtes passé par cette phase-là, je veux bien. Sinon, ben voilà, c'est toujours un bébé gentil, adorable, qui enfin, voilà, comme vous la connaissez, très souriante et tout. Sauf, bah, c'est vrai que le soir, en ce moment, madame ne veut pas être posée dans son lit, comme d'habitude. On peut dire que dans quelques jours, ça fait 18 mois que ce petit bout partage ma vie, hein. Parce que 9 mois dans mon ventre et 9 mois dans ma vie, bah voilà, ça fait 18 mois. Hein. C'est un truc de fou comment le temps passe vite, les filles, profitez de vos bébés, je vous jure. Ouf, quand on nous dit profite, elle est petite, quand les gens me disaient profite, tu vois, ça a passé vite, j'étais là, waouh, ça va. Mais en fait, quand tu le vis, c'est waouh, ça passe très très vite. Vraiment profitez et prenez pas ça à la légère, profitez dès que vous avez un instant, profitez du moment avec vos bébés, c'est incroyable. Alors là, je vais vous redonner un code pour quelque chose qui va vous parler les filles, quelque chose que vous aimez trop. On va pas se mentir, tout le monde aime être bronzé toute l'année. Ça, c'est un truc, voilà, vraiment tout le monde aime être bronzé toute l'année. Moi, je déteste les UV. Avant, j'étais une fan inconditionnelle d'UV. Maintenant, c'est terminé. Ça abîme la peau. Franchement, j'ai pas le temps d'aller me faire une séance de 30 minutes en plus de ça avec Alia. Genre, c'est... mission impossible et j'aime être bronzée comme je veux et très rapidement. Moi, c'est un truc, voilà, quand j'ai envie d'être bronzée, je veux que ça soit rapide, pas faire 10 séances avant d'atteindre un résultat que je veux. Et vous savez que je suis une fan d'autobronzant. Voilà, c'est plus un secret, hein, je vous l'ai dit, redit, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai testé plein de marques d'autobronzant, que ce soit au visage, au corps. Et il y a une marque, je pense que vous allez tous vous en souvenir, c'est une marque que j'utilise et je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis une fan d'un produit, enfin d'une marque, parce qu'il y a deux produits que j'aime dans cette marque, pour être bronzée. Donc je vais vous mettre un avant après, parce que hier soir j'ai appliqué le produit sur Snap, je vous ai mis quand j'ai appliqué le produit. Et donc j'ai pris une photo avant d'appliquer le produit et j'ai pris une photo ce matin au réveil. Donc là, autant vous dire aussi que j'ai juste du blush et c'est que j'adore quand je mets de l'autobronzant et que je suis bronzée sur le visage ou sur le corps. Le visage, je mets juste du blush, du mascara et un peu d'highlighter et c'est bon. Et c'est nickel. Je suis pas là à mettre des crèmes pour être bronzée, pour avoir un teint bronzé. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et la barre que j'utilise, donc c'est Glowtan. Vous savez, il y a deux produits
que j'utilise depuis un moment. Donc, il y a le spray pour le corps. Et je vais vous donner les points positifs, en fait, de cela et pourquoi pas un autre auto-bronzant. Donc, il y a le spray pour le corps et il y a le sérum de nuit pour le visage. Donc, déjà, je vais vous parler du spray pour le corps. Donc, quand on l'applique... Donc, il y a le spray. Donc, déjà, pour le corps, ce qui est génial, c'est que c'est une eau... c'est une brume, une eau bronzante. Voilà, c'est pas une mousse... C'est pas de ça, vous voyez, c'est de l'eau et c'est une eau bronzante. On vient l'appliquer sur notre corps et on vient l'étaler. On se lave bien les mains, les filles, après. Et ça dure archi longtemps. Ça, c'est ma deuxième bouteille pour vous dire que depuis que j'utilise cette marque, c'est la deuxième bouteille que j'utilise. Et voilà, il n'y a que ça qui est parti parce que ça fait une brume. C'est pas un truc où on va en mettre beaucoup. Donc, on y va par étapes. Donc là, je l'ai mis qu'une fois. J'ai le corps vraiment bronzé. Je suis trop contente. Je vais le remettre soit. Donc, je le mets après ma douche. Vous l'appliquez partout sur votre corps. Vous étalez. Vous lavez bien vos mains pour pas avoir de traces. Regardez, j'ai zéro trace. Donc, vous lavez bien vos mains après. Ce qui est super, donc, c'est de l'eau. Le point positif de cette brume, c'est qu'elle sent bon. Ça ne sent pas l'autobronzant, les filles. Vous savez que l'autobronzant, ça pue quand on en met. Ça sent bon. C'est ça qui est cool, c'est que ça sent vraiment bon. Ça fait zéro trace parce que c'est une eau bronzante. Donc, il n'y a pas de trace. Vous l'étalez bien et il y aura zéro trace. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et aussi, le point positif que je trouve de ça, c'est que on y va crescendo. Là, par exemple, je vais en remettre ce soir. C'est moi qui vais décider de la teinte de mon bronzage. Donc, déjà, dès la première utilisation, vous avez un résultat de fou. Vous allez voir le avant-après de mon visage. Avec, vous allez voir jusqu'à mon cou et mon corps, c'est pareil. Quand je vous dis que j'étais blanche, j'étais blanche, blanche, blanche. Parce que même en Thaïlande, comme je vous ai dit, j'ai pas pris le soleil. Donc voilà, ça pour moi, ça c'est vraiment les points positifs. C'est que ça fait zéro trace. C'est comme une eau. Donc ça, c'est facile à appliquer. Ça ne pue pas l'autobronzant. Et en plus de ça, c'est à nous de choisir la teinte qu'on veut. Voilà, on en met crescendo et on choisit. Et puis le point aussi positif, c'est que dès la première utilisation, le lendemain, on a un résultat. Et ensuite, au visage, donc j'applique le sérum. Donc c'est un sérum bronzant. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Donc vous voyez, hop, pareil, ça dure archi longtemps parce que c'est quelques gouttes qu'on met sur notre visage et on l'applique. Et le point positif de ce sérum-là, c'est que c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Donc en plus de bronzer, il vient agir sur notre peau et il vient nous rendre un éclat sur notre peau. Vous connaissez l'acide hyaluronique, c'est très bon, surtout pour le visage. Donc c'est ça qui est cool, c'est un 2 ans acide hyaluronique plus bronzant. Vous en mettez comme j'en ai mis hier soir, le lendemain matin, on a un teint de fou malade. Et ça, j'adore parce que du coup, je me lève avec un effet bonne mine. Pareil, ça ne fait pas de traces, donc ça c'est cool. Vous l'étalez bien, vous lavez bien vos mains après. Et puis voilà, le lendemain, vous vous réveillez pompé et bronzé. Et ce qui est super aussi, c'est que ça ne sent pas également l'autobronzant. Donc ça, c'est vraiment bien et c'est un sérum, ça fait office de sérum. Donc vous le mettez la nuit avant de dormir. Là, vous voyez, on voit mieux mon teint parce que c'est vrai que quand je suis face à mon highlight qui est blanche, vous voyez les lumières blanches de mon highlight, ça me rend pas très bronzée. Mais là, vous voyez mieux. Et comme vous pouvez voir, j'ai juste du blush. Donc, j'ai vraiment rien mis sur ma peau. C'est un truc de dingue. Donc, je me lève le matin, j'ai bonne mine, c'est ça que j'adore. Et vraiment, cette marque, pour avoir utilisé beaucoup d'autobronzants, je vous recommande vraiment cette marque-là. Même, de toute façon, vous le savez, hein, pour les filles qui ont déjà commandé cette marque, vous savez que c'est une valeur sûre. Et elle est vraiment trop bien. Voilà. Et même mon corps, j'ai le corps bronzé et tout. Je suis trop, trop, trop contente. Regardez mon ventre. Je suis trop contente. Et mes jambes, c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment un plus, plus, plus. Ce soir, je vais continuer à en mettre. Comme ça, pour Dubaï, je vais être bien bronzée. En tout cas, sachez que je vous donne un code promo. Donc, profitez de cette offre. C'est vraiment une offre exceptionnelle. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai un...
J'ai pas de pêche aujourd'hui, c'est un truc de fou. Peut-être c'est le temps et tout, je sais pas, j'ai zéro pêche. C'est trop mignon les habits là que j'ai reçus pour Alia. Donc c'est pas du tout une collab, hein. C'est un cadeau pour Alia. Voilà, trop content. Franchement, c'est trop beau. Les beaux petits pulls et tout. En plus, c'est de la trop bonne qualité, donc je suis trop contente. Voilà. Je vous ai mis l'insta de la personne qui fait ça, si ça vous intéresse, mais j'aime trop, c'est trop beau. Et voilà. Sinon, ce midi, moi, j'ai mangé du riz et du poisson. J'ai fait du riz et du poisson. Et j'aime trop faire mon riz comme ça. Donc, je fais mon riz basique. Et après, à la fin, quand il est cuit, je mets dans une casserole du beurre et un jumbo. Et j'écrase bien le jumbo. Donc, jumbo, c'est le cube-bord. Mais voilà, moi, c'est les jumbo. Et après, je mets mon riz dedans. Une tuerie. Ma beauté. Coucou maman. Tu fais coucou comme ça? Coucou. Coucou mon cœur. Bien dodo. T'as bien dodo mon amour. Vie. Oui. 2 heures. Bien, tu me montres comment tu fais bye bye. Voilà, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ma chérie, j'ai la Touchec et j'ai la Jeannet. En fait, la Touchec, j'utilise pour prendre ses goûters et tout dans le salon. Et la Jeannet, j'utilise le midi et le soir pour les repas. C'est les plus grandes. C'est la Touchec. Alors là, je suis en train de regarder mes petits flashbacks. Ça, c'était pour 2022. Voilà, il y a 2 ans. Hier, j'étais en train de. Quand j'étais au salon de coiffure, je disais, oh là là. Parce que les gens disaient que j'avais bien perdu. Et je disais, mais j'aimerais bien perdre comme avant. Et tout le monde me dit, non, t'étais trop maigre et tout. Là, c'est atelier images avec Alia. Donc, tu vois, on regarde des images comme ça, elle adore. Donc, ça, c'est la petite fille. Regarde comment elle est jolie. Elle est belle, hein? Oh, qu'elle est jolie, cette petite fille. Et là, c'est le ballon. C'est le ballon. Le ballon, il rebondit. Et ça, c'est qui ça? Je le connais pas, mais il est trop mignon, ce petit garçon. Il lève les bras. Comment tu fais quand tu lèves les bras? Comme ça? Olé! Waouh! Et derrière, c'est le chien. Et le chien, il fait comment? Le chien, il fait C'est le chien? Oh là là, le chien! C'est le chien. Et ça, c'est les petites spirales. Donc, on m'a dit que les bébés adoraient les images en noir et blanc. Voilà. Ça, c'est les petites spirales. Mais ça, c'est le chien. T'as mis où les autres images, mon cœur? Elle est en train de jouer. Ah. Ça, c'est que des images en noir et blanc après. Ça, c'est les petits garçons. Et ça, c'est la petite fille. Et on fait comment, la petite fille? Bye bye. Bye bye. Tu sais faire bye bye. Bye bye, la petite fille. Bon, du coup, demain, on va faire les boutiques avec Alia. Faut que je rachète des petits bodys pour partir à Dubaï. Faut que je lui achète des vêtements d'été, ça, c'est bon.
des vêtements d'été, parce qu'il fait un peu plus chaud quand même à Dubaï. Donc ça, c'est bon. J'en ai reçu, elles sont vraiment trop... Là, ils sont en train de sécher. Donc je ne vous ai pas montré, mais vu que je les ai mis à la machine. J'ai quoi ? Il faut que je rachète de la crème solaire pour Alia. Des trucs comme ça, il faut que je passe dans une pharmacie. Du coup, il faut que je achète des trucs pour partir. Du lait en poudre, tout ça. Voilà. Donc demain, il ne faut pas que j'oublie de prendre tout ça. J'ai changé. Est-ce que vous aimez bien ce look ? J'aime trop. Petit bain, là, pour Alia. Oh, doucement, ma fille. Les filles, je me suis changée pour vous redonner un code promo pour les collants legs. Voilà, que je trouve juste incroyable. Ils sont trop beaux. Regardez, on a l'impression que c'est ma peau. Alors que pas du tout, comme vous savez, legs, c'est les premiers collants polaires. Donc comme ça, on est bien en toutes circonstances. Et regardez comment... Celle-là, je crois que c'est ma couleur préférée. J'ai 3 couleurs sur 4 parce qu'il existe 4 couleurs sur le site. Mais celle-là, vraiment, c'est ma couleur préférée. J'adore. Donc, mettre avec plein de tenues. Et là, en fait, j'ai mis une robe, donc pull, pour vous montrer que même l'hiver, on peut être habillé en robe et avoir chaud. En fait, comme je vous dis, en fait, on a l'impression que c'est transparent, mais non. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas ma peau qu'on voit. C'est molletonné comme ça, tout à l'intérieur du collant. Donc, vraiment, on a l'impression que c'est un effet transparence, mais alors que non. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai 3 couleurs. Donc, j'ai celle-là, j'ai du gris et j'ai du noir. Donc, qui sont là. Donc, vous voyez. Donc, il y a du noir et il y a du gris. Et à l'intérieur, ben voilà, tout est molletonné comme ça. Donc, c'est vraiment pour pas qu'on ait froid. Et quand on le met sur nous, ben on a l'impression qu'en fait, en dessous, c'est notre peau, que c'est un collant transparent, alors que pas du tout. Bref, c'est vraiment le truc à avoir, je trouve, pour cet hiver. Là, en plus de ça, on va pas se mentir, le froid est arrivé et il vient juste d'arriver même. Donc, il va faire froid de plus en plus. Et je trouve que ces collants-là, c'est une bonne solution pour ne plus avoir froid du tout. Quand je les mets, je suis trop bien. Et au moins, bah, je peux être en robe l'hiver sans me cailler et me dire « Bon, bah allez, je suis en robe parce que j'aime bien ». Mais je caille, et ben non, avec ces collants, c'est possible. Voilà, donc aussi un point où je voulais vous dire, c'est résistant grave. Là, vous voyez, regardez, j'ai mes ongles, je vais venir gratter le collant. Voilà, je vais venir le tirer comme ça. Il résiste, voilà. Contrairement à d'autres collants qu'on peut acheter, on se sait, où bah, le collant, quand on le met, il pète, il file directement. Ceux-là, ça fait déjà 2 ans que je les ai pour vous dire, ils sont trop bien, donc je les mets en machine. Tout se passe bien, il n'y a aucun souci avec ces collants et ils sont vraiment top. Maintenant, parlons de l'offre. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un code vraiment incroyable. Si vous voulez ce collant, profitez de l'offre que je vous donne maintenant parce qu'un collant, grâce à mon code de -40%, vous revient à 17€. Et en gros, si vous en achetez 2 sur le site, donc le 3e offert, ça vous revient à 35€. Donc, profitez de cette offre. Je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai encore, mais en tout cas, là, c'est le moment d'en profiter et faites-vous un stock. Sur un bébé qui ne veut toujours pas dormir. Tu dis, ben, samedi, c'est pas possible. Quoi. De toute façon, samedi, on sera plein. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Fais dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Maman est fatiguée, papa est fatigué, il faut aller dormir. Non, allez, viens, on fait une autre. Fais dodo, colle à mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Dodo. Non, faut pas danser. Ça, c'est une berceuse, faut dormir. Fais dodo, cola, mon petit frère. C'est pas pour danser, on a dit. Fais dodo, cola, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du lolo. Non, fais pas l'air qui font. Fais dodo. Cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Waouh.
On va dodo. On va dodo, Alia. Alia. Qu'est-ce que tu fais? Tu touches le gros ventre de maman?